entendez un petit mot ce soir, je vais vous dire que, comment que le Seigneur, comment j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Bon, pour ma part, ça fait quelques années que je suis chrétien, et puis ça faisait 13 ans que j'attendais le baptême du Saint-Esprit, puis pendant un moment, j'ai dit à maman, je ne venais plus trop devant. J'ai dit, Seigneur, quand tu voudras me le donner, tu me le donneras. Et puis, c'était pas trop bien de ma part, mais moi, j'étais comme ça, j'avais décidé comme ça. Et j'étais avec mon frère, j'étais à Auray d'Elmar, un séminaire comme ici, là. Et puis, mon frère, il avait organisé un voyage en Israël. Je vous explique comment que le Seigneur a tout mis en œuvre. Je pense qu'il a fait, ce soir, il a tout mis en œuvre pour que vous receviez le cadeau. Et je vous explique comment qu'il a fait pour moi. C'était assez grand pour moi, Seigneur. Et puis le frère appelle l'organisateur, il appelle Jesse. Et puis, il dit, Jesse, il y a une place qui vient de se libérer. Et puis, il met le téléphone comme ça. Il me dit, c'est peut-être pour toi, mon frère, tu devrais prendre le billet, là. Et puis, je dis, non, je ne peux pas. Je dis, déjà que je suis bien. On passait un gros problème là-bas. On passait par la maladie, par mon beau-père qui est parti près du Dieu maintenant. Et puis, je dis, non, c'est pas possible. Je dis, non, déjà, je suis là, c'est bien. Et puis, mon oncle à côté, il prend la place aussitôt. Et puis, ça se passe, on mangeait sur la table. Le frère, il rappelle. Il dit, voilà, si je te rappelle, normalement, le frère qui a pris la place, c'est pas un organisateur, mais il dit, s'il y a une deuxième, il y a quelqu'un d'autre à côté, demande-y. Il y a encore une place. Et puis là, il me dit, écoute, c'est peut-être pour toi, je te le dis, c'est pour toi. Mais je dis, mon frère, j'ai pas de passeport. C'est dans 10 jours. Et puis, il me dit, c'est peut-être une expérience pour toi. Amen. Tu vas faire la demande en retour. On restait 3 jours au séminaire et restait 12 jours pour aller en Israël. Et j'avais pas de passeport. Mais je dis, Seigneur, ma femme m'a encouragé. Mais je dis, vas-y, je le fais. Je prends la place et je suis revenu dans l'Espagne. J'ai fait mon demande au passeport. Là, et puis, il restait 9 ou 10 jours, je crois, pour y aller. Et puis, vous savez comment c'est, le passeport, on ne l'a pas en 5-6 jours. C'est pas possible. Amen. Et j'ai fait la demande. En 7 jours, j'ai reçu le passeport. Amen. Et puis, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, si tu veux vraiment que j'y vais, je veux voir quand même les choses qui, chez moi, à l'époque, l'homme n'était pas trop bien. Puis, j'ai demandé à Dieu, puis le Seigneur a tout mis en œuvre. Amen. Puis moi, je ne pensais pas du tout, baptême du Saint-Esprit, mais je vous dis pas du tout. Je passais par des problèmes, et puis, j'ai dit, Seigneur, je le fais pour toi, tu vas me bénir. Je suis venu en Israël, on a été richement bénis, puis je pense que Dieu seul le sait. Je ne pensais pas du tout. Voyez, puis là, on est là. Si tu t'attends un cadeau, c'est pas celui qu'on est là, c'est pas le lieu, mais si tu es disposé, le Seigneur, il bénit, vous saurez comment. Et on a monté à la chambre haute, et je ne m'attendais pas à ça. Mais ça faisait 13 ans que j'attendais. Et puis, je suis monté en haut, et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Si vous saurez le cadeau qu'il m'a donné de Dieu. Vous savez, je suis chrétien, maintenant, ça fait 20 ans que je l'appartiens. C'est la plus belle des choses que j'ai fait. Ça appartient à Dieu. Puis, celui-là qui attend un cadeau, que ce soit une bénédiction, une guérison. Le temps de Dieu, c'est pas notre temps à nous. J'ai attendu 13 ans. Vous savez, il me l'a donné par maman. C'était le plus dur de ma vie. On passait par la séparation. Et puis, le Seigneur, vous saurez comment il est bon. Il attend le bon maman et le maman de Dieu. Si vous sauriez, attendez-vous ce soir à recevoir quelque chose. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. Vous savez, on vit un verset de la Bible ici tout de suite. Là. Oui, je vous le donne.